Et salut à tous et à toutes, c'est MacLake. Alors aujourd'hui, à la suite de la vidéo Subnautica craquer fer, je vais vous mettre comment changer votre clavier de AZERTY à QWERTY. Alors, il y a la façon simple, Maj Alt, et comme vous allez pouvoir le voir, alors on fait un test. Alors, AZERTY. Je fais Maj Alt et AZERTY se transforme en QWERTY. Alors, ça c'est très simple. Donc tout le monde connaît, donc j'ai remis. Mais le problème c'est qu'il faut pouvoir le faire. Parce que moi j'ai essayé pendant une dizaine de fois Maj Alt et ça faisait tout le temps AZERTY, 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 etc., etc. Donc je vais vous expliquer comment changer de version sur un PC. Quand même en changeant la version du clavier, il ne veut pas. En fait, c'est simple. Alors, on va aller sur Windows 8 Recherche, panneau de configuration. Sur le panneau, vous allez aller dans Langue. Donc, on clique une fois dans Langue. Et là, vous voyez que moi j'ai English United States. Alors, il faut faire très attention parce que ça, si quand vous mettez AZERTY, enfin, quand vous voulez mettre en QWERTY et vous faites Maj Alt et que ça ne marche pas, ça veut dire que l'English United States ne marche pas, n'est pas activé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'activer. Donc, moi, je suis en français, donc je vais mettre ajouter une langue. Donc, attendez, on va supprimer. Supprimer. Ouais, en fait, voilà. On a compris. Donc, vous avez compris. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ajouter une langue. Vous mettez anglais. Ouvrir. Alors, English United States. Donc, moi, je l'ai déjà. Donc, voilà. On va prendre. Tiens, on va mettre japonais. Enfin, à la place d'anglais, hein, mais moi je vais mettre japonais parce que j'aime le Japon. Alors, Japon. Japonais. Oui, ok, Baline. Ajouter. Il va avoir du mal. Hein. Alors, maintenant. On clique deux fois dessus. Vérification de la disponibilité. Alors, je ne sais même pas si ça va marcher pour le japonais, mais bon. Mais en gros, c'est ça. Voilà, maintenant vous l'avez. Et donc, c'est tout simple. Anglais. Et maintenant, vous l'avez. Il faut avoir sauvegardé, enfin voilà, etc. Et maintenant, quand vous allez faire Maj Alt, vous allez avoir le japonais, enfin l'anglais, et Maj Alt, et le français. Maintenant, je vais essayer de voir comment on met le japonais. Allez. Sur ce. J'espère que la vidéo vous aura plu, c'est une petite vidéo simple, rapide, etc., etc. Là, vous entendez, parce que ma fenêtre est ouverte, vous entendez les oiseaux. Sur ce, on se laisse, n'hésitez pas à liker la vidéo et laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Allez, bye.